Coucou tout le monde. Vous connectez tout doucement. Vas-y, oui, parce que t'as sorti. Ah oui, la classe en Dallas. Coucou Sandra. Alors oui, matériel, je vous mets devant ce dont vous allez avoir besoin. J'attends encore un tout petit peu qu'il y ait plus de monde pour expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous pouvez d'ores et déjà aller chercher une petite bouteille d'eau ou une grande bouteille d'eau, ou des fois. Donc à la salle, en général, c'est 2,5. C'est pour les triceps. Je ne peux pas faire un renfort sans triceps avec moi. 5 kilos pour ceux qui ont de la charge. Un gros livre, comme d'hab. Pour ceux qui n'ont pas de poids, kettlebell, tout ce qui est lourd et qui s'attrape facilement, vous pouvez l'utiliser. C'est pour des extensions au-dessus de la tête, là, comme on fait d'habitude. Et de l'espace pour mettre vos genoux au sol et vos mains pour des pompes triceps. Un travail de réchauffement sans matériel, donc de réchauffement sans matos. Et après, vous avez besoin... soit d'un amoureux ou d'une amoureuse, soit de vos enfants, où on a fait toutes les adaptations ou la sans... C'est la grand-mère maintenant, la pauvre. Enfin, si, quoi que tu me dirais, il y a des grand-mères qui sont en super forme. Mais il y a aussi la possibilité de faire le cours sans qui que ce soit. On a adapté de façon à ce que vous puissiez le faire aussi en solo, seul. Voilà, donc un travail... d'échauffement et un travail de triceps avec moi, et après à Maury on travaille en binôme sur la suite du cours, sachant que vous pouvez le faire sans binôme. Voilà, j'espère que vous avez compris parce que je suis pas très claire. Bon, est-ce que vous êtes ça y est, ça commence un petit peu à se connecter. Ok, il est 32. Je vais changer mes chaussures en attendant les retardataires. Bon, comment allez-vous aujourd'hui? Après une très bonne nouvelle, hier soir, on est content. On est content. Mais moi, je voulais quand même passer un message. Pas besoin de vous expliquer que l'annonce m'a juste démoralisée et mis au fond du trou pendant la soirée. Et après, on reprend un petit peu du poil de la bête au fur et à mesure. Et, heureusement, voilà, je suis accompagnée de plein de gens adorables et de mon amoureux. Mais j'étais en colère un petit peu parce que le sport n'a pas été une seule fois cité dans le discours de notre cher président, alors que le sport est juste le meilleur des médicaments qui existent pour booster son système immunitaire, permettre à son corps de se défendre. C'est le meilleur des médicaments et c'est le plus sain aussi qui existe. Et il n'a pas été une seule fois cité et il n'a pas une seule fois encouragé les gens à se mettre au sport, à bouger, à prendre soin d'eux pour, en sortant du confinement, ne pas choper cette merde et ne pas être malade. Parce que tant que vous êtes à la maison, il n'y a pas de souci, mais quand vous allez en sortir, les gens en général, pas vous qui faites du sport tous les jours avec nous, mais faites passer le message à vos familles, aux gens que vous aimez, et incitez-les à bouger, parce que une fois qu'on est en dehors de sa maison, ben, on est aussi vulnérable. Beaucoup plus vulnérable. Et le sport permet justement d'être en bonne santé. On peut pas dire ce que t'as dit, Sandra. Sandra, ouais, grave. Ouais, non, je sais pas. J'avoue, Sandra, tu as raison, je ne sais pas.
En tout cas, voilà, essayez d'inciter vos familles, vos amis à s'entretenir, à faire du sport, à manger sainement pour être en bonne santé. Et éviter de justement d'éviter du travail supplémentaire à nos soignants. Ils ont suffisamment de boulot comme ça. Ça marche? Voilà, j'avais envie de dire ça. ben c'est parti. Il est 35. Vous êtes 42, je pense qu'on est pas mal. En route? Je vais enlever mon bazar. Et je ne vous le dirai jamais assez. Merci d'être là. Et de votre soutien. Sincèrement. Il y a des pouces. Ouais, allez. C'est un peu l'ascenseur émotionnel depuis hier soir. C'est pas... un peu à fleur de peau et tout. Ça va me faire du bien de vous donner ce cours aujourd'hui. On y va, en route. Je vous veux énergique. Hein. J'ai besoin de votre énergie aujourd'hui. Je vais vous en donner, ça c'est promis. Et j'ai besoin de sentir que vous êtes là. Alors envoyez-moi plein de cœur. Allez. Échauffement, on pousse un petit peu l'espace à la maison. Mes tests sont avant de partir, comme d'hab. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est good? Ok, super. Allez, il y a plein de petits cœurs. Il y a plein de petits cœurs. J'ai plein de cœurs. Oui. Merci. Vous êtes trop mignon. La balance du cœur. Allez, go. Allez, du son, de l'énergie, de la musique pour réchauffer le cœur. Placez-vous face à l'écran, s'il vous plaît. Let's go. Step touch. Bras le long du corps, nombril aspiré, ceinture. Verrouillé. Souple sur ses appuis. Allez, plus grand pas. De droite à gauche. Droite, gauche. On est sur la musique. Tempo. On s'imprègne. Voilà. On se place. On enroule. Gauche, droite. Vous allez à droite, vous enroulez l'épaule droite et inversement. N'oubliez jamais de garder le nombril aspiré pour rester tonique et dynamique. On rentre l'entrée, on serre les fesses. Le fait de serrer nos fesses va vous permettre de protéger votre dos. Allez, bras en entier. Enroulez vos épaules. Inspirez. Étirez au maximum. Soufflez, relâchez. Point de pied légèrement écarté et également pied plus large que largeur au bassin. Encore. Une grande amplitude. Expire. Dernière. Inspire. Montez sur pointe de pied. Étirez au maximum le ventre. Relâchez. Recevez, enroulez. Marche. Reprenez cette touch. Le son va reprendre. On entend. Et on ira direct sur des talons fesses. C'est parti. Toujours dynamique sur le haut du corps également. Hein. Souvenez-vous, talons en direction du fessier, le même fessier, hein. On va pas de l'autre côté. Talon droit sur fessier droit et talon gauche sur fessier gauche. On vient se botter les fesses soi-même. Sur le haut du corps, on est dynamique jusqu'au bout des ongles. Hey, hey. J'ai vraiment pas pris le bon mix. Le début était mortel, mais alors...
Yes, il y a des
petits pouces, ça veut dire que ça va. Cool. Extension triceps au-dessus de la tête. Les pieds légèrement écartés en fonction de si on est... Ben, on peut être plus à l'aise aussi en pied décalé. Ça, c'est à vous de voir. Le tout, c'est d'avoir le buste bien gainé, de ne pas avoir un creux dans le bas du dos, de serrer les fesses, de protéger son dos. Poids au-dessus de la tête, coude aux oreilles. Extension au-dessus de la tête, je pousse mon poids. Je ne me contente pas juste de ramener le poids au-dessus de la tête, je cherche la hauteur. Flexion juste derrière la tête, extension. Coude serré. Yes. Ensuite, on passe au sol. Très rapidement, vous attrapez la grosse bouteille d'eau ou la petite en fonction de ses possibilités ou un poids si vous avez. Je me mets légèrement de profil, on appuie sur les genoux et sur sa main. La main légèrement fléchie, coude vers l'arrière. Extension à partir du coude. Mon coude reste vers le plafond. Extension, flexion. Il n'y a pas d'élan. Sinon, ça ne sert à rien. D'accord ? Et ensuite, pompe triceps avec une petite choré. Coude au corps, sur les genoux, je tends. J'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme. Genoux, extension, ouvre, ferme, ouvre, ferme. Et seulement si vous pouvez, quand je vous dirai single, on accélère, c'est seulement si on y arrive, pompe en single, ouvre, ferme, ouvre, ferme. Automatiquement, il faut être très gainé pour ne pas avoir le dos qui se retrouve à faire ça. J'exagère, mais c'est quelque chose que, vous, avec la fatigue, vous risquez de faire. Donc, utilisez les options que je vous ai données juste avant. Sur les genoux, j'ouvre tranquillement de chaque côté. Vous pouvez rester aussi statique en gainage, c'est pas un problème. De toute manière, vous rattraperez avec moi sur la musique. Mais surtout, pas de risque. Et on fera évidemment l'autre côté. Est-ce qu'on est bon? Et le public en folie répond oui. Ouais, je suis pas toute seule dans ma tête des fois, heureusement. Parfois, je me sens moins seule face à la caméra. C'est bon? Ok. Je laisse le matériel en visu, au cas où. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de descendre en charge en diminuant la bouteille. Go. Allez, c'est parti. Et la musique est trop trop bien. Dédicace pour Seb. Allez, go. Face à moi, debout pour l'instant, s'il vous plaît. Allez, go. La plus grosse charge pour le moment, le livre ou le poids? 2, 2, 1, 2, 2, 1. J'ai mis une de mes chansons préférées, ça met du baume au cœur. 1, 2, 2, 1. Attention, tu bloques en bas. Encore 8, 7, prends le monde.
Les options sont progressives, attention. Single. Attention, ici t'es pas obligé, tu peux rester sur nous. Moi, vous avez vu, je suis... Ouais. Ça chauffe. C'est ça qui est bon, alors. Parfait. C'est que vous faites le job. Allez, Amaury. Et il a essayé de me la faire à l'envers. Il s'est éclipsé, il a cru que j'avais oublié. Si vous pouvez, attrapez votre binôme. Sinon, gardez le matériel à disposition pour travailler avec de la charge supplémentaire. Premier round. Ouais, il fait chaud. J'ai réchauffé un peu la température en plus. Donc, premier round. Vous avez un travail. Il y a un mulet. Et l'autre, en attendant, il se la coule douce. Sinon, vous utilisez une charge. C'est-à-dire que moi, je vais être le sac à dos d'Amaury pour faire des squats. Je vais être sur son dos. On va travailler 45 secondes, 15 secondes de placement pour changer d'exercice. 45 secondes, 15 secondes, 45 secondes. 6 minutes de travail. Pendant que l'autre travaille, il y en a un qui se repose. Donc, vous allez pouvoir tenir largement. Lorsqu'on travaille en solo, on n'a pas la charge d'un être humain. On a la charge d'un livre ou d'un livre ou
ou d'un poids, ou voilà, de ce que vous avez, de votre chat, de votre chien. D'un sac à dos. D'un sac à dos. Mais c'est quand même moins lourd qu'un être humain. Donc, vous pouvez faire les 6 minutes en totalité. Il n'y a pas de repos pour vous. Est-ce que ça va? Je suis claire. Pousse, pousse, pousse. Donc, démonstration. 45 secondes de squat avec un sac à dos ou son chéri, sa chérie, son enfant, son chat, son chien ou son sac à dos. Fesses à hauteur genou. On fait des petits squats, des demi-squats pour protéger les articulations et tout simplement parce qu'il y a quand même une charge additionnelle. L'autre, donc 45 secondes, 15 secondes de changement pour la personne qui se reposait face au sol. Les fessiers collés au talon, un tapis, une serviette, ce que vous pouvez pour mettre sur les hanches. Amaury va se mettre en gainage en appui sur mes hanches. Et moi, je vais faire des hip thrust, des relevés de bassin. Là, c'est facile parce qu'il ne met pas son poids. Il peut reculer ses pieds, être en position de gainage et ça me rajoute de la charge. 45 secondes. Top, c'est passé. 15 secondes de placement pour repasser en squat. Et ainsi de suite. Lorsqu'on est au sol, seul, vous mettez le livre sur vos hanches. Ou le pack d'eau, le poids, l'haltère, le kettlebell. Le chat, là. Amélie, quand elle a vu le début, elle s'est dit « Amaury va finir sur ton dos !» Non, 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 non. Quoique, j'arrive à le soulever, mais bon, quand même, quoi. À mon avis, ça va être un peu lourd. Je tiendrai pas 45 secondes. Est-ce que c'est good? Trop facile, t'es trop légère, elle me dit, Aurore. Il s'est entraîné ce matin, ça lui picote quand même. On est parti? Musique? Vous êtes... surtout prêt à nous écouter parce que le timing c'est nous qui l'avons. Hein. Allez, en position, musica. Timing. Thank you.
Je parle son oreille. Et top. C'est parti pour le bus. Pied large en bassin. 5, 2, 1. Une feuille de papier en guise de charge. Non Marie, là c'est de la carotte. Bon, ça a l'air de s'être plutôt bien passé. Monkey dance, monkey fitness. C'est ça Annie. Roland est dans la place, il le fait avec toi. Bon, Marine, j'espère que David y joue le jeu. Bon, pour la suite, on travaille sur le haut du corps. Quand on est en binôme, on va utiliser le corps de l'autre pour tirer. Donc si vous avez un binôme, c'est parfait. Si vous n'avez pas de binôme, mais un TRX, ça marche aussi. Et sinon, solution, pompe large. En solo, pompe large sur le genou ou sur les pieds. À votre rythme. On reste sur le timing. Là, on a dit 30-30. Non. Oui, 30-30. Donc, quand tu as un binôme, le plus léger en bas,
L'exercice intermédiaire, on switch entre tirage, travail statique en chaise. Le dos plaqué contre le mur, les genoux, largeur bassin ainsi que les pieds, cuisses parallèles au sol. Interdiction de creuser le bas du dos. On reste très très gainé. Est-ce qu'il y a des questions? Si il y en a, c'est maintenant. Vous nous suivez, le timing il est donné par nous-mêmes. Vous n'avez pas besoin de vous occuper du timing. Good. Avec un élastique, Manu, tu peux l'accrocher autour d'un poteau, de quelque chose de dur, de solide chez toi, et tirer. Faire de la traction comme ça. Tu peux le faire. Si tu n'as pas tout ça, solution sans rien, écarte, resserre, reste en tension, tout le temps, élastique en tension. Tu alignes les bras avec ton buste. C'est good, Magdala? Un petit pouce juste pour savoir si tu as capté ma démo. Allez, on y va. Pensez à vous réhydrater, on part pour 6 minutes. Et on sort. Allez, je vais mettre contre le mur parce que ça va
Détour. Par contre, vous, franchement, honnêtement, nous aussi, hein, ça nous pique, hein, donc on compatit. Dernier exercice. Vous n'allez pas forcément nous aimer davantage, mais bon. Possibilité, il y a plein d'options. Donc, le chrono est là. Buvez un coup. Du 30-30 aussi. On peut pas faire la culture dans du 30-30. Ouais. L'objectif, c'est... Tu mets en gainage ? Comme tu veux, ok. 30 secondes de gainage pour l'un. Là, t'es 10 fois trop haut, vraiment. Donc quand on est grand comme ça, il faut être impérativement sur les coudes. Sinon, je suis obligée de faire un saut de biche. Déjà, c'est haut. Hein ? Faut dire qu'il m'arrive à peu près au niveau du genou. Donc, burpee, ça vous connaissez, jump, ou en jambe, comme tu veux. Donc, burpee, en jambe, vous saute, etc., etc., 30 secondes. Une fois que les 30 secondes sont passées, c'est à moi, tu peux poser, d'aller au sol et à lui de jumper. Les options pour le gainage, vous les connaissez. C'est en appui sur les genoux, quand tu ne peux pas être sur les poignets, tu es sur les coudes. En fonction de la hauteur, vous arrangez aussi, parce qu'on n'est vraiment pas de la même taille tous les deux. Hein? Les options plus faciles pour le burpee, c'est au lieu de jumper, passer au sol, puis ramener, je vous rappelle, pied à plat, et de sauter, vous pouvez squeezer le jump, faire juste une extension, pause, ramène, sprawl, ou 1, 2, 3, 4, je passe au-dessus. Quand vous n'avez pas de binôme, vous passez au-dessus d'un tabouret, de ce que
c'était un obstacle, ça peut être une rangée de PQ. Comme on avait déjà fait. Une rangée de pâtes. Une rangée de pâtes aussi, ça marche. Des casseroles, des livres, ce que vous voulez. Vous enjambez. Ça peut être imaginaire, ça marche aussi. Hein. Voilà. Et vous choisissez de faire Amaury ou de faire moi. Comme ça, vous avez le timing. C'est en timing, il n'y a pas de... 30-30. C'est 30 secondes, 30 secondes. 30 secondes, tu jumps et tu fais des burpees, scroll, ou... D'accord? Et 30 secondes, t'es en gainage et on change. Est-ce que c'est clair? Pousse, pousse, pousse! C'est faisable en binôme, c'est faisable seul et aussi quand on ne sait pas faire des burpees. Tout le monde peut le faire. Tu peux même à passer à genoux. Yes! Let's go! Allez. Ah ouais, c'est moi qui m'y colle. Non, si je peux y aller, si tu veux. Non, je commence le gainage. Je commence en gainage. Attention. Are you ready? 6 minutes. Tu vas à ton rythme, mais tu vas au bout. 3.
horrible, hein. On a des idées à la con, des fois, je crois. Oh non, ça a coupé. Quel dommage. Je suis morte. Je te rassure, Marine, nous aussi. Coach Hans a publié le monsieur à la chaussure. Morte, ouais, bienvenue au club, Manuela. Bravo, hein. Est-ce que vous avez tenu à votre rythme, avec vos possibilités, mais est-ce que vous avez tenu avec nous jusqu'au bout? Ah, cool, Manuela. C'est top, bravo en tout cas. On va récupérer, on va s'étirer un petit peu. Déjà, refaites descendre un petit peu la fréquence cardiaque, pardon, en prenant le temps de respirer. Ouais, c'est le souffle, hein. C'est hyper cardio, donc c'est normal, hein, Annie. Prends le temps de récupérer, réhydratez-vous et on va s'étirer. En tout cas, good job. C'est bien, hein. Rien lâché, bravo Agnès. Vous êtes hyper tenace, c'est génial. Vraiment bravo. Hein. Ah ben non, Cisco, tu n'arrêtes jamais. Je continue, je n'arrête pas. Jamais. Ouais, les deux dernières minutes, quand j'ai vu qu'il restait encore 2 minutes, j'avoue, ça piquait sévère. Gainage, j'espère que vous avez pris l'option sur les genoux dès que vous sentiez que le dos creusait. Ça sert à rien de persister, de faire une position dégueulasse. Autant faire quelque chose de plus simple, mais propre. C'est ça le plus important, c'est votre sécurité. On n'est pas là pour vous corriger, vous manipuler, donc faites vraiment attention. Soyez à l'écoute de votre corps, s'il vous plaît. Quand vous sentez que ça tire, ne forcez pas. Prenez la solution de simplification, mais surtout, n'insistez pas. On ne veut pas vous retrouver cassé, au contraire, on veut vous retrouver en forme. Comme quand on vous a quitté. Allez, stretching. Réhydratez-vous, on s'étire. C'est fini pour aujourd'hui. Demain, le programme est beaucoup plus soft. Vous allez retrouver Baby, Marine, alias Baby, qui vous fait un cours de pilates à 17h30. Vanessa vous a pas épargné non plus hier. Donc demain, on fait récupération avec un travail en profondeur grâce au pilates. Allez, placez-vous face à l'écran, mettez-vous debout s'il vous plaît. On secoue ses jambes. Secouez un petit peu les bras, écartez légèrement vos jambes, plus large que largeur bassin s'il vous plaît. Inspirez, allongez vos bras au-dessus de votre tête. Croisez les doigts, twistez les mains vers le ciel, déverrouillez vos genoux mais serrez les fesses. Inspirez, allongez, poussez, ouvrez. Étirez jusqu'au bout de vos doigts, restez à hauteur des épaules. Twistez les mains. Ouais. Je suis juste 1 mètre de plus que toi. Envoyez les doigts vers le sol, poussez dans vos paumes de main. Ne crispez pas vos épaules, au contraire, abaissez les épaules. Emmenez les omoplates en direction de la colonne vertébrale. Sortez le sternum. Inspirez. Expirez, lâchez. Enroulez les épaules et emmenez la main droite derrière votre tête. On étire les triceps qui ont travaillé tout à l'heure avec la charge, la chanson de Body Pump. Attrapez le coude, vous pouvez voir devant et derrière grâce à Maury qui s'est tourné. Relâchez, changez tout simplement. Calmez la respiration. Soufflez et surtout, soyez fiers de votre travail. Relâchez. Savourez le job accompli. Enroulez bien vos épaules. Détendez vos épaules. À
Attrapez vos doigts dans le dos, comme à l'échauffement tout à l'heure. Sortez la poitrine, poussez les doigts vers le sol, tendez les bras. Puis, sortez le sternum en décollant vos mains de vos fesses. Cachez vos épaules derrière votre dos. Ne creusez pas le bas du dos. Inspirez, tirez plus fort. Sur l'expiration, vous lâchez. Enroulez de nouveau, secouez les jambes. Debout, travail d'équilibre, on attrape son coude pied droit. Utilisez le mur ou un support pour prendre appui si besoin et trouver l'équilibre. Vous collez les genoux et vous ramenez les orteils vers le fessier. On essaye d'enfoncer le talon dans son fessier en gardant le bassin en rétroversion. Respirez. Lâchez délicatement votre pied pour le placer devant vous. La jambe gauche reste fléchie, la jambe droite est tendue. Les mains aux hanches ou derrière au niveau des fesses. Vous êtes en appui sur votre talon droit et en appui sur votre pied gauche à plat. La jambe est fléchie pour celle qui est en appui, l'autre est tendue. Vous descendez en deux plats sur cette jambe tendue. C'est une flexion à partir des hanches. Sentez l'étirement à l'arrière de votre jambe et relâchez. Secouez, décontractez, changez tout simplement. Collez vos genoux, rentrez le ventre, tirez sur le coupe-pied, stabilisez. Les genoux sont collés. On inspire, on expire, on prend le temps. On sent l'étirement du quadriceps, encore une seconde. On relâche délicatement. On place le talon devant, jambe droite fléchie. Et je descends à partir de mes hanches en dos plat. Pointe de pied flex. La jambe gauche est tendue. Je suis en appui sur le talon et à plat sur le pied droit. Dos plat. On retourne au calme. On relâche. Et on détend. Dernière expiration, inspiration. On écarte les pieds plus larges, de largeur bassin comme tout à l'heure. Inspire. Étire, profite. Inclinez doucement. Joli danseur, jolie danseuse. Allongez le buste, étirez. Placez bien vos épaules vers l'arrière. On replace une poitrine fière. On resserre les pieds. Bravo tout le monde! Et c'est fini! Ça va? Donc demain, je vous disais, Pilates à 17h30 avec Baby. Donc, pas besoin de matériel, travail de renforcement musculaire profond, on allonge, on renforce, en douceur. Merci Annie, merci à tous. Passez une belle soirée. Ah oui, sinon tu voulais prendre... Ah oui. Il y a Maury qui veut vous dire un petit mot, je ne sais pas ce que c'est. Donc, je te laisse dire un petit mot. Eh bien, bonjour à tous, déjà, pour commencer. Jusque-là, je n'ai pas pris la parole, je suis resté assez discret, j'ai laissé les filles gérer. Voilà, et en fait, je vis avec Cécilia tous les jours, et je la vois un peu faire le yo-yo émotionnel avec tout ce qui se passe en ce moment, et toute l'énergie qu'elle a laissée dans sa salle. Il ne faut pas oublier que la première année, elle ne s'est pas versée de salaire, qu'elle habitait ici, dans la salle, pour pouvoir faire perdurer sa salle.
Donc, en fait, elle reçoit des petits messages parfois de personnes qui demandent de geler les abonnements. Et en fait, il ne faut pas oublier que ce qui fait vivre la salle, c'est les abonnements que chacun donne pour faire vivre la salle. Donc je pense que tous ceux qui sont connectés aujourd'hui sont solidaires et rien que pour ça déjà j'aimerais vous remercier. Remercier de tous les messages que vous avez pu lui envoyer par Facebook, Instagram, en message perso aussi. Je sais que ça lui fait énormément plaisir. Voilà. On a même reçu aujourd'hui dans la boîte aux lettres un chèque d'une personne qui veut soutenir la salle. Donc voilà, je voudrais pour tout ça vous remercier. Je pense que je vais lancer une petite cagnotte. Ça c'est ma façon à moi de remercier Cécilia. Faire une petite cagnotte en ligne, je vous mettrai le lien certainement sur Facebook. Si vous voulez participer, chacun donne en fonction de ses moyens. Je sais que c'est compliqué pour tout le monde en ce moment. Donc voilà, chacun pourra donner un peu ce qu'il veut et pour faire perdurer sa salle. Voilà, je remercie aussi Vanessa, Baby, et, ainsi qu'Erika et Yo-Yo aussi, une pensée pour Yo-Yo aussi, qui bah, mettent de l'énergie de chez eux aussi dans la salle. Et voilà, donc pour tout ça, je vous remercie, je vous fais plein de gros bisous. Et voilà. Donc voilà, merci. On vous embrasse et on pense très fort à vous. Bonne soirée à tous.